La veille d'un Pourim, Rabbi Nachman était de passage à Kamenitz. Il entra chez le Shochet de la ville pour demander de passer la nuit chez lui. Celui-ci, très occupé une veille de fête, lui répondit sans réfléchir qu'il ne disposait pas suffisamment de place pour l'héberger. Le soir venu, tous étaient rassemblés à la synagogue et le Shochet, chargé de la lecture de la Megillah, scrutait avec attention les personnes présentes pour évaluer la somme qu'il pourrait soutirer de chacun. Il aperçut Rabbi Nachman debout, plongé dans la lecture de la Megillah. Sa physionomie lui inspira confiance et il regretta soudain de lui avoir refusé l'hospitalité. Il décida de l'inviter sitôt la lecture terminée. Mais lorsqu'il le chercha, Rabedou avait disparu. Il décida de prendre deux jeunes pour partir à sa recherche. Il parcourut toute la ville en vain. Rabbi Nachman avait demandé à l'asile à un pauvre, lui promettant en retour richesse et fortune. En entendant cette bénédiction, le pauvre qui n'était pas habitué à recevoir des hôtes envoya sa fille cueillir les boissons et la nourriture en l'honneur de l'invité. Le pauvre homme se voyait déjà à la tête d'une grande fortune. Le Shochet remarqua la jeune fille et lui demanda les raisons de ses allées et venues. Elle lui expliqua qu'ils avaient un invité important. Il comprit alors que la personne qu'il recherchait se trouvait chez le père de la jeune fille. Il pénétra chez ce dernier en laissant sur le seuil les deux jeunes gens. Voyant cela, Rabbi Nachman insista pour que les deux jeunes gens entrent également. Puis il s'exclama : Est-ce possible de prendre un vieil homme, de relever sa tête par la barbe et de l'égorger avec un couteau abîmé ? Avec un couteau abîmé ! Cria le Shochet. Rabbi Nachman lui demanda de rester là et envoya les deux garçons chercher le couteau. Celui-ci était en effet abîmé. Le Shochet perdit connaissance et lorsqu'il retrouva ses esprits,
Rabbi Nachman lui demanda de venir le voir à Rosh Hashanah. De longues années s'écoulèrent sans que le Shochet obéisse à cet ordre. Quand il tomba malade, il prit peur et promit d'aller rendre visite à Rabbi Nachman aussitôt qu'il serait rétabli. Mais une fois encore, il ne s'exécuta pas. Ce ne fut que sous les injonctions de sa femme qui lui promit de l'accompagner qu'il se décida à aller rendre visite à Rabbi Nachman. C'est alors que Rabbeinu lui ordonna de se confesser. Il semblerait qu'il ait abandonné par la suite le métier de Shochet.